Yep tout le monde les gens, c'est GhostKiller01, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un nouveau top 10 sur ma chaîne, donc le quatrième les gars. Donc j'espère que celui-là va vous plaire, parce que les derniers j'ai pas... Le dernier que j'ai fait j'étais complètement pété on va dire, j'étais en soirée le jour d'avant. Donc voilà, donc celui-là je vais essayer de le faire bien et tout. Je vais essayer de mettre moins de temps à le faire, donc je vais directement vous lancer la page des fans et des participations donc. Donc vous avez bien dans la communauté et tout, voilà, fan. Donc voilà, donc je le fais bien, attends, je reprécise bien sûr, on est bien dimanche 21 septembre et tout, donc il est 14h. Je crois qu'il y en a qui me disent que ouais, je l'ai fait le samedi et tout, moi je partageais à fond le samedi, du coup ça a pas compté et tout, voilà. Donc alors, participation, voilà, ah, on a notre vainqueur, notre premier, GG à lui. Donc on va directement compter bah, jusqu'à où ça va, donc alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça va jusqu'à là. Donc, pardon, je rigole. Dommage à lui. Donc, je crois que c'est Azerdox, je crois, avec son autre. Excuse-moi, mon petit Azerdox. Désolé, comment je veux dire. C'est vrai que tu participes beaucoup et tout. Et en ce moment, je joue souvent avec toi et tout. Et vraiment, tu mérites d'être dans ce 10 et tout. Mais bon, c'est pas grave, hein. Prochaine fois je ferai un top 15 de toute façon, parce que c'est avec le prochain, je crois que c'est avec celui du mois, donc je ferai sûrement un top 15 et tout, donc si tu te mets à fond et puis tu seras dedans, hein, tu seras, c'est sûr même. Donc voilà, le classement il y a eu pas mal de non ouais enfin si il y a eu des nouveaux qui sont dans le classement, donc genre lui et lui, je crois qu'il était pas autant avancé, il était peut-être il a bien rattrapé les autres en tout cas. Donc voilà. Donc ce classement, donc on va commencer directement par le premier. Donc FTX Fragger. Voilà, donc j'ai déjà montré 50 000 fois à peu près sa chaîne YouTube, parce qu'il est souvent dans mon top 10 lui. Il est vraiment très très actif, donc je tiens vraiment à le remercier. Et puis s'il veut une bannière, un truc comme ça, il a pas de problème. Faut juste demander à mon GFX, faut me contacter moi, puis après bah, je contacterai mon GFX, il fera quelque chose bien sûr. Ne t'inquiète pas, donc voilà. Donc GG à toi, merci encore. Donc voilà notre top 1. Donc le top 2, donc c'est Omega Carbon. Donc lui aussi fait des vidéos. Bon bah sa présentation de chaîne, c'est pas super super. Il a pas de bannière ni de logo et tout. Donc franchement, si j'ai besoin d'aide et tout, là pas de problème, je suis là, t'inquiète mon ami, tu es actif et tout, tu me fais plaisir, et ben je vois pas pourquoi je te ferais pas plaisir. Donc voilà, merci à toi. On passe directement au top 3, Nabil. Bon, Nabil Kalfi, désolé si j'écorche un peu ton nom et tout. Un super abonné, franchement. C'est une personne qui, franchement, qui met des commentaires et tout positif, qui t'aide vraiment dans les vidéos, des trucs qui te font avancer. Donc voilà, je pense que j'ai déjà dit ça la dernière fois ou un truc comme ça, mais ça me fait vraiment plaisir de le dire. C'est pas une personne qui fait des vidéos, c'est un super viewer, franchement. Donc, merci à toi, franchement. Tu mérites vraiment d'être dans ce top 10. Tu es même top 3, donc voilà. Franchement, GG à toi, merci encore. Lucas Pedro, donc ça c'est un super abonné aussi, qui commente toutes mes vidéos, qui regarde toutes mes vidéos, voilà, donc là pas de problème, t'es dans mon top 10, t'es top 4, donc voilà, merci à toi. Blizzard Adaptus, c'est pareil, donc c'est un bon pote, en ce moment on est à fond sur Destiny ensemble, donc voilà, bah tiens, regardez, allez voir sa vidéo sur Destiny et tout. Franchement, moi je l'ai pas encore vu, il m'a dit d'aller la voir apparemment, qu'elle était vraiment super belle, sa vidéo. Donc je crois que je vais aller la voir. Je vais la lancer pour tout à l'heure, comme ça, hop, ça lui fera plaisir. Donc voilà. Donc franchement, merci à lui. Tu mérites d'être dans mon top 10. Donc en ce moment, oui, je disais, j'étais sur Destiny, je jouais avec lui et tout. Lui, il est avec dans les niveaux 23, 24, je sais plus. Voilà, c'est vraiment une bête. Moi, je suis niveau 20, j'ai fini le jeu aussi. Donc après, bah, c'est galère. C'est après le niveau 20, comme le niveau 20, c'est le max. Après, c'est galère pour monter les niveaux parce que. Faire des trucs spéciaux, des trucs comme ça avec les lumières, enfin, j'ai pas bien compris le truc. Enfin bref, de toute façon, là pour le moment, je fais un peu une pause de Destiny parce que j'ai pu peut-être le troll squatter. Donc voilà. Si vous jouez vous aussi sur Destiny PS4, vous me dites et puis on fera peut-être quelques petites games dessus. Si ça vous intéresse aussi que je fasse des vidéos sur Destiny, mais par contre, ce sera peut-être des types vidéos genre tentative game sur Destiny. Ça, c'est vraiment très très chaud. Donc si ça vous dérange pas, genre des fois peut-être si je fais une bonne partie, c'est pas forcément une perf ou des trucs comme ça, une bonne partie ou un petit délire avec des potes sur Destiny ou des trucs comme ça, peut-être que je vous mettrai.
parce que tu vois, j'ai fait une série aussi, enfin, j'ai fait une série. Je fais un truc aussi sur BF, j'avais fait une tentative quand même, mais bon, j'avais quand même des bases sur BF, alors Destiny, c'est vraiment une découverte et tout. C'est comme si je recommençais un Call of, donc voilà. Donc j'en étais où? J'en étais à Ilias. Donc voilà, bah Ilias est toujours dans mon top 10, pareil, top 5 je crois. Donc c'est vraiment un super abonné, pareil, qui a regardé là, ma vidéo là. Peut-être plusieurs même, voilà. Super abonné, franchement. Voilà, bon bah gros GG à lui, merci encore, et puis voilà, et tchou à la prochaine. Requin. Attends, ça s'arrête à où? Oui, ça s'arrête là. Donc Requin, il est aussi dans mon top 10 encore une fois. Donc c'est pareil, franchement je l'aime bien cet abonné, c'est vraiment un super abonné, il regarde toutes mes vidéos, il commente, pareil, partage, etc. Ça me fait vraiment plaisir, donc merci à toi. Titou01, donc lui c'est ma biche, c'est... non, c'est Titou, c'est vraiment super, une super personne et tout. C'est vraiment une personne qui pouvait discuter, pouvait rigoler, taper des gros délires sur la play et tout. Franchement je joue souvent avec toi comme ce matin et tout, et tellement de délire franchement. Et on se fait aussi une petite course sur YouTube, donc c'est-à-dire au niveau des abonnés, lui c'est un bâtard, il a gagné à peu près une semaine, il a gagné 400 abonnés franchement. Bip, voilà. Donc voilà, bon, gros GG à toi franchement, parce que tu augmentes vraiment très vite sur YouTube, tu vas percer et tout, je le sais franchement. Tu vas le faire, tu verras l'année prochaine, à cette même date tu seras à 10 000 et tout, j'en suis sûr. En tout cas vraiment, GG à toi et tout, donc grosse dédicace à toi mon pote, allez, ciao. Après, Sir Lord HD, donc ça faisait un moment qu'il tournait autour du top 10, qui était pas vraiment très loin de rentrer dedans, et puis je crois que ça y est, c'est la première fois ou peut-être la deuxième fois qu'il rentre dedans en tout cas. Donc ouais, il a une vite fait, une bannière et un logo assez vite fait, on va dire. Ouais, il a fait à peu près 8 vidéos, je dirais. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh putain, je suis trop fort, putain. Voilà. Donc ouais, ah, la miniature ça me dit quelque chose ça. Ah oui, mais si, je me rappelle qui c'est de Sir Lord, je vous explique. Donc en fait Sir World, c'était à l'époque où j'étais FTW, j'étais le co-leader, je faisais les recrutements. Il m'avait demandé pour rentrer, il avait posé une candidature pour rentrer dans la team. Et puis il était rentré, c'était un des premiers que j'ai fait rentrer dans la team. C'était sur une vidéo, enfin une MOAB express, je sais plus, en 80 secondes, comme ça. Et puis du coup il était rentré, et puis après bah la FTW était partie en couille, et puis moi j'étais, enfin c'était depuis que j'étais parti dans la rage qu'elle est partie en couille la FTW, et puis du coup personne n'a su la reprendre. Si Droopy, franchement il a super bien repris, mais sinon entre Droopy et moi qui est parti, voilà, c'est complètement n'importe quoi, tout le monde s'est barré et tout. Donc voilà, donc pour la petite histoire, c'est là où j'ai rencontré Zero World. Donc voilà. Après, le dernier, le top 10, celui qui a bien eu de la chance, celui qui est pile poil comme il faut, donc c'est Carnage Tiger Venom. Donc il est aussi sur la PS4, des fois je le croise, des fois je le fais rage kit, des fois voilà, on joue ensemble. Donc voilà, dédicace à lui. Ah oui, j'ai oublié de m'abonner, voilà, je m'abonne toujours aux gens qui sont dans le top 10, ça me fait plaisir. Voilà, sa bannière est... ouais, bof, mais ça va, ça passe bien. Donc ouais bah il a, en fait ça se voit, il a découpé le logo de... il a découpé, il a mis un petit coup de baguette magique sur Photoshop au logo de la phase, et il a bien tout découpé, il a bien collé sur sa bannière tranquillou. Pareil pour ça, enfin il maîtrise Photoshop quoi. Mais c'est pas un GFX, ça se voit. Voilà, mais gros dédicace à toi. Même moi je saurais faire, je pense. Voilà, donc bah c'est fini pour ce top 10. Donc la plusieurs personnes que je retrouve qui sont pas bien loin, hein, Sergio Alex, OCB King, SMS, Ibizy, donc voilà, il y a des gens qui se voient déjà, voilà. Enfin, bref, tous ceux-là en tout cas, tous ceux qui sont dans la première page, eh ben, ils sont vraiment, ils sont pas loin du top 10, à chaque fois, il y en a qui ont déjà été dedans, donc voilà, la grosse dédicace à eux, même s'ils sont pas dedans, donc voilà. Donc j'espère que ce petit top 10 vous aura plu, j'ai essayé de faire ça assez rapidement, parce que si je le fais, je prends 20 minutes à faire la vidéo, genre en bout de 6 minutes, vas-y casse ça, vas-y rachète une console avec F4, puis voilà. Là j'ai essayé de faire ça assez rapide, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous allez mettre un max de commentaires, vous allez continuer à mettre des j'aime, des partages, des abonnements et tout. Ah, ça fait vraiment plaisir les gars. Donc allez, bon les gars, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quelle heure vous avez regardé la vidéo, mais allez, peace.